Salut, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir comment imprimer mon attestation. Dans cette vidéo, on va voir comment imprimer mon attestation. طبعا لأن هناك بعض الإخوان يسألون حول طريقة طباعة هذه الشهادة. Donc, tout simplement, on va se connecter à ce tipo. Bien sûr, dans le site web www.certiport.com. Donc, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et on va cliquer sur connexion. Voilà, donc après, bien sûr, on va bien sûr dans l'onglet Certi bien MyCertiPort. Dans MyCertiPort, on va trouver le premier titre, c'est My Transcript. Voilà, donc les résultats. Voilà. Donc un relevé numérique authentique des certificats, le nom, l'adresse, l'email, etc. Et voilà, Microsoft Office Specialist. Donc les certifications, les certifications et les examens. Bien sûr, vous allez trouver un examen de Microsoft Word. Donc Microsoft Word 2010. Et vous allez trouver deux types de fichiers imprimables, bien sûr. Un sous forme PDF et l'autre sous forme XPS. On peut commander le certificat, mais il faut payer, d'accord. Donc on va cliquer sur PDF. Donc voilà votre certificat. Mais ce certificat, il est bien sûr noté ici copie en ligne. Donc c'est pas ça qu'on va imprimer. Donc on va en bas et on clique sur View Official Certificate, le certificat officiel. Voilà, donc ici on a le certificat officiel qu'on peut imprimer. Voilà, donc pour enregistrer ce certificat, donc on va en bas et on va trouver des petites icônes. On peut l'imprimer directement. Mais pour l'enregistrer, on clique sur cette petite disquette. Et voilà. On va l'enregistrer sous le bureau, par exemple, en tapant ici le nom. Par exemple, sous Aziz. Par exemple. Attestation. Par exemple, je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Et comme ça, je peux bien sûr l'imprimer après. Donc, هذه الطريقة هي بسيطة جدا. ولكن طبعا هناك بعض الأساتذة، إخوان والسيدات والسادة الأساتذة يطرحون السؤال عن مصداقية الشهادة أو فهي سوف تطبع عن طريق فقط l'internet. Donc il y a shahada vraiment achar alayha, il n'est pas authentique, non, pas du tout, parce que la signature de Stephen Ballmer, c'est le chef exécutif de Microsoft, mais qimat shahada tatajalla fad janib. Donc regardez un code DGWZ-DTE8, c'est ça le code de mon certificat. نفترض أن هذه الشهادة أردنا التأكد من صحة الشهادة، هل هي مزورة أم إلى غير ذلك عن طريق فوتوشوب. ربما يمكن أن أزيل الاسم وأضع اسم آخر عن طريق فوتوشوب، وبالتالي فقد تكون مزورة هذه الشهادة المطبوعة عن طريق طبعا الطابعة بالألوان. Donc je vais copier le site web verify.certiport.com. Donc moi je vais s'assurer est-ce que Aziz Almouche a vraiment obtenu cette attestation ou non.
سوف نتأكد. Donc je vais copier ce site. Ctrl V et voilà. إذن هذا هو موقع pour la vérification des références globales. إذن بالنسبة للتأكد من هل سي عزيز هرموشي il a obtenu vraiment هذه الشهادة ou non. Donc c'est très simple. Je vais copier le code. Voilà. Ctrl C. Je vais le coller ici. Ctrl V. La première partie. Tirer. Je vais copier la deuxième partie. Et coller ici. Et voilà, je vais cliquer sur vérifier. Voilà, donc effectivement, voilà le résultat de la vérification de base globale sécurisée. Et bien sûr, ça c'est un site de vérification globale de référence. Ce système de prévention des fraudes permet de vérifier les références CTPOL des candidats dans le monde entier. Voilà, donc dans le monde entier, il y a, regardez le résultat, ces références sont celles de Aziz Elmouche, publiées par Microsoft, publiées le, voilà, le 9-12-2013. La certification c'est Microsoft Office 2010. Et comme ça, le certificat, il est vrai, ça veut dire on n'est pas fraudé, etc. Donc là, voilà sur le bureau, et je peux l'imprimer. Voilà mon certificat. Merci et bon courage.